Ah ouais, là il sert du courant là. Poisson. Bon, les gars, on se retrouve avec un très gros poisson, je pense. C'est un barbeau. En tout cas, ça tient le fond, ça m'a mis deux gros rushs. Je peux pas attaquer en direct, malheureusement. Bon, ça a l'air costaud. Hein. Le problème, c'est qu'il y a des cailloux ici. Je crois qu'elle est tankée là. Bon, faut que je bouge. Il y a pas mal d'eau ici. Ah, ça va pas être simple ça. Oh, ça a l'air solide. Ah, c'est un barbeau. Ouais, au combat. C'est l'impression que j'avais. Ça tenait le fond, ça mettait des rushs. Ça fait un petit moment que je voulais faire un joli. Bon, il est pas énorme. On va faire ses 50, je pense, quand même. Il est sympa. Il a pris par la bouche. Ouais, il est solide quand même. Non, c'est un chub ou c'est un barbeau, je suis pas sûr. J'ai essayé de la mettre sur la bordure. Là, il est solide. Cette écaille qu'il a. Mais là-bas il y a du jus, poulet. Bon, je suis obligé de le suivre là. On va prendre le temps qu'il faut. Je vais pas trop le fatiguer quand même. Ah ouais, là il sert du courant là. Voilà, il va falloir le brider quand même. Si possible. Je veux pas qu'il aille là-bas parce que là-bas il y a les branches. Je vais lui mettre sur la gueule un peu, j'ai pas le choix là. S'il va dans les branches, après ça va être compliqué. En plus il y a du jus là-bas.
Quel combat! Il veut rien savoir, hein. Je vois même pas là. Ah, décroché! Ah, oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Il a dû ouvrir l'hameçon, non? T'es sûr? Il y a celui-là qui est un peu ouvert, mais légèrement. Ah! Après un combat comme ça, putain, le décroché. Ah, va chier. Peut-être que... Ouais, mon frein il est sacrément serré. Peut-être ça a dû lui arracher la peau, le pauvre. Ah, va chier, t'es. Ah, je l'estime pas à 60, mais. Je crois que t'en es plus 7. Mais. Ouais, un bon 55, plutôt 58, j'irais. Quel dommage. Là-bas, il m'a pris. Tout là-bas. Regardez où je suis allé le décrocher. Quelle puissance, ça. Ouais, au début du combat, j'ai. Ça tenait le fond, ça a mis deux gros rushs. J'étais quasiment sûr que c'était un barbeau et une fois que je l'ai vu, je le savais pour demain. Quel dommage. Bon, déjà, il m'a pas cassé, c'est pas mal. Les hameçons, ils sont pas ouverts. Bon, il aurait été meilleur. Hein. Je pouvais pas trop forcer, franchement, il y a du jus partout, il y a des rochers au fond. Le frein, franchement, il est déjà bien serré. C'est dommage, ça fait bien 2 ans que j'aimerais bien faire un gros de barbeau. Et là l'occasion, bon, s'est présentée mais... Ah là, peut-être j'aurais dû plus le brider au-dessus du mini-seuil naturel là qu'il y a. Une fois quand j'étais sur la bordure, pas le laisser prendre le courant. Ça a peut-être été ma seule erreur. Ouais, parce que là t'as toute une veine d'eau principale qui s'arrête jamais quoi. Ouais, bon, tant pis. Le combat était sympa, on va continuer. Hop, manque. Oh putain! Oh maman! Pouah! C'est même pas une truite, c'est un saumon que je décroche là. C'était tout gris, ça avait plus l'air d'un saumon, mais ça fait 60 le bordel! Hop là! Ça me fait bien tout ça. Non. Allez, voilà, j'y arrive. Alors, ça, c'est pas une truite. Vous voyez, j'ai bien pris une touche. Ça, c'est les écailles d'un cheven. Ouais. Oh mais non, je décroche un monstre, regarde. Poisson. C'est une truite. Une belle truite. Alors, dans les cordes.
Yes! Ah, quand même, putain, elle est lourde. Ouah, il y a peut-être 50 là. Je sais pas, mais. Ouah, ce qui tombe. C'est sur un secteur magnifique. Après la pluie, peut-être qu'on va s'amuser. Ah, enfin, quoi. Enfin. Le combat a pas trop duré, je l'ai un peu bridé. Pas trop peine. Alors, je sais pas si vous allez bien l'entendre, on est sous un pont. Beau bécard là. Beau bécard. Ah, on peut avoir la place. Alors. Il est mort encore. Hein. Il est mort encore. Zéro. Bon, on passe de 47 à 49. Allez, on va la relâcher. Oh, c'est de loin la truite la plus lourde que j'ai prise. Elle est vraiment lourde dans l'épisode. Ouais, c'est vraiment la truite la plus lourde que j'ai prise. Elle est très très lourde. Allez, ma belle. Enfin, mon gros, okay. Un béca. Allez, tu veux bien lâcher le. Excusez. Voilà. Ah, c'est bon. Poisson. Non, je la décroche. Ah, c'était gros encore. Aïe, 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 aïe. Décroche tout, c'est fou. Hein. C'était gros, je suis sûr qu'elle m'a suivi de. J'ai fait bon lancer là-bas, je suis sûr qu'elle m'a suivi, elle m'a tapé là. Aïe 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 aïe. Ouais, elle m'a ouvert l'hameçon en fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'était une truite, hein, je l'ai vu, c'était bien jaune. C'est sûr, certain. Ouais, elle m'a. Là, vous voyez là, celui-ci il est tordu. Aïe 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 aïe. Manqué on aurait dit. Oh putain, c'est pas possible! Voilà, bon, là je décroche à moi, par contre. Là je décroche à moi. Elles y sont, elles aiment ce leurre. Hein. Dieu sait qu'elles aiment. Hein. Là je décroche à moi. Ouah, cette touche que j'ai prise. Ah ouais, mais c'est pour regarder. C'est pas compliqué. Quand je dis que j'ai décroche à moi, voilà. Elle m'a pété l'hameçon. Oh, elles y sont, les. Waouh, j'ai pris une boîtasse, gros. Et quand je dis une boîtasse, je me suis fait déboîter. Manqué encore, hein. Ah oui.
regardais même pas. Putain, mais c'est dingue, hein. Changer les hameçons. Poisson. Ça fait bien les 30. Ah ouais, là la pluie elle les a activés. Hein. C'est une suite. Allez, viens par là. Allez, piquer. Viens là, piquer, j'ai l'impression. Hop là. Wow. C'est quoi cette truite? C'est un bouton. C'est quoi cette truite? Mais elle a avalé quoi? Mais what? J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez-moi ça. Regardez la bosse sur le dos. Oh, elle est difforme. Effet 26, regardez. Maman. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non mais regardez-moi ça, elle fait 26 cm. Alors soit c'est une maladie, soit elle a mangé triple McFirst, j'en sais rien, mais elle est énorme. J'ai jamais vu ça. Allez. Hop là.